Salut à toutes et à tous, c'est les Pitchy et on se retrouve pour la suite du mode carrière FIFA 15 avec l'Athletic Bilbao. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, trois petits matchs. Alors, l'Almeria pour commencer, puis Villarreal et un match contre l'Inde en international. Et on se mettra là pour la fois suivante. Allez, bon, bah moi j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, tranquille. Donc, petit point de classement, nous sommes premiers avec 30 points, 2 points d'avance devant le Real, 5 sur le Barça et Retafe qui sont 4e. Elche est suivi de Valence. Bien, les deux gros sont à notre poursuite. Il va falloir faire un bon résultat face aux joueurs d'Almeria. Alors, toc, toc, toc. Alors, les maillots, ouais, oui, oula. Il y a des dégâts. Alors, Bartra, t'as l'air un petit peu. Non, ça peut tenir. Retourne exé ici. Faut que je voie un peu les. Ouais. Bon, donc, ouais, la porte est de retour. Is back. La porte is back, Adolfo. Voilà, comme la porte est de retour, tu laisses ta place à San Rosé. Sinon, Gaïa, ouais, toujours blessé. Bellerin, t'es là. Vu que c'est Almeria, je vais le faire jouer. Il faut qu'il progresse un petit peu, l'ami Bellerin. Je vais quand même mettre notre copain Demarcos sur le banco en cas de petit problème. À la place de. La place de toi. Voilà. Allez, on est parti pour Bilbao, Almeria. C'est parti! Et Boyan, allez Boyan! Boyan! Oh oui! Oh oui, bravo! Bravo Boyan! 1-0! Ah, bien joué! Ah Boyan, c'est bien. Il montre sa puissance. Bravo! C'est bien. Il se réveille un petit peu. Hein. D'habitude, il était là pour construire et débuter les actions, mais il était jamais là pour les finir. Alors bah là, cette fois, il est à la finition. Boum! Voilà, bravo! Bien joué Boyan, premier but en plus. Tu vas lâcher ce ballon, oui, oh. Voilà, tout ça pour ça. Et tu me fais chier pour ça. Allez. Bien, 1-0 à la mi-temps. Ah, ils sont casse-pieds les joueurs d'Almeria, hein, mais bon, c'est le faute, hein, ils jouent à fond, hein, ils essaient de jouer le coup à fond. Ah, ils sont un peu casse-pieds, mais bon. On va réussir à les mater, je pense. Mais il va falloir essayer de faire un peu plus d'action que ça. Et surtout marquer. Voilà, marquer plus qu'un but. Allez, on y va. Ah oui, bravo! Bravo Morata, bravo Morata et Mounien. Morata, on a bien vu. J'ai réussi à bien voir Mounien. Toc, pof. Voilà. Au revoir, au revoir, au revoir. Pouf, le plat du pied sécurité dans les filets. J'pif. Nick Hermonienne, troisième but cette saison. Pas beaucoup, mais c'est bon. C'est pas mal. Allez, 2-0. Voilà, fin de ce match un peu foufou. À la fin, là, surtout à la fin, c'était un peu foufou. On a réussi à s'en sortir. 2-0. Hein. Voilà, allez, stade de fin. J'avais un peu plus le ballon que ça, monsieur le jeu, mais c'est pas grave. Allez, on va aller voir les nonotes. Alors, les nonotes, Kepa, homme du match à 7-8, hein, c'est pas non plus énorme comme note de homme du match. Voilà les notes de l'autre côté. Voilà. Bon, bah, allez, à 18 pour le. Bien, on se retrouve pour la suite. Alors, boss, merci boss. Ah, d'accord. Okay. Bah, il est content d'avoir joué, c'est normal. Hein. On a vu un jeu contre Almeria. Tu pouvais jouer. Thiago, le joueur blessé qui demandait un contrat. Lol. Alors, Villarreal. Ça va être un peu plus compliqué à battre, mais il le faut. Il le faut. Alors, ouah, ouais. Il y a des dégâts. Bartra, bah du coup, Adolfo, puisque la porte est un peu cuite. Ouais, on retourne exé, mais je suis obligé de te faire jouer. Suarez. Voilà, toi. Toi.
Ouais, je vais faire jouer un peu Alcacer, et ici je vais faire jouer Gomez. Sur le banc, il va falloir réorganiser un peu tout ça. Morata, faut que tu laisses ta place. On va dire, bah il est au Cruz, il est là. Voilà. Bartra, il me faut quelqu'un qui est encore en forme. Vargas. Suarez, Mounien, on laisse. On a besoin au cas où. Voilà. Je pense que là, comme ça va. Là, on a une nouvelle fois fait un peu tourner. Mais on est un peu obligé parce qu'ils sont un peu tous cuits. Donc, on fait un peu tourner. Voilà. Allez, on va y aller comme ça. C'est parti pour Villarreal Bilbao. C'est parti, les amis. Allez, tu passes Gil. Gil au milieu de terrain. Gil! Gil qui marque! Oh là là, miracle! Oh le miracle! Le petit Oscar Gil qui marque! Oh là 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 là, il les a mis, mais d'équerre! Pof! Oh! Allez! Et touf le petit ballon! Il leur a mis la pâtée là, Gil! Là, une surprise! Surprise, Gil! Le mec, il nous a mis. Il les a mis, mais vert au tapis! Il les a foutus au tapis! Bravo, petit, bravo! 1-0! On n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin. Pas passé loin de la correctionnelle. Allez, allez, allez. Faut défendre là. Attention là, il y a le sous-marin jaune qui se réveille. Oh, j'ai fait une bêtise. 1-0, mi-temps. Alors, on a pris la première mi-temps à notre compte, mais à la fin de cette première mi-temps, comme on les appelle, sous-marin jaune s'est réveillé. Et il peut faire très mal, hein. On a failli passer la correctionnelle, la barre transversale qui a failli faire rentrer le ballon. Mais c'était pas loin. Il va falloir rester concentré, ne pas les sous-estimer et faire une bonne période, bonne deuxième période. Allez, on y va. Oh magnifique! Bennat, il est tout seul! Bennat, l'enroulé, le but! Oh là là là, magnifique, magnifique. Il a bien enroulé le ballon. Bravo. 2-0 au bon moment, parce que Villarreal commençait à de nouveau reprendre le dessus. Là, il fallait ce but. Oh, magnifique, magnifique. Bravo Bennat. Bien, et ben fin de ce match, 2 à 0. Très très bien, bien joué. Oula, on a tenu plus que ça le ballon. Bon, on se pose plus la question, ça sert à rien. Alors, Kepa, une nouvelle fois homme du match avec encore une fois une note un peu basse pour homme du match et de l'autre côté, voilà. Allez, c'est pas grave, à tout de suite pour la suite. Bien, on se retrouve pour la suite, donc on continue. Amical international. Ah oui, c'est le fameux match face aux Hindous. Alors cette fois-ci, on va le faire tout de suite ici, comme ça, parce que j'en ai marre à chaque fois. Voilà. Enani, il est pas à gauche, il est à droite. Voilà. Après, toi. Ça m'énerve à chaque fois. C'était très bien comme c'était avant. Il faut toujours qu'ils changent leurs bêtises. Les mots, c'est bon. Vezo, ouais. Ferreira est un peu fatigué. On va mettre Ilori. Contrao, ouais, tout va bien. Patricio, Ronaldo qui est là. Dani ici. Les remplaçants. Cancelo. Cancelo, Cancelo, Cancelo. Vezo. Voilà. Ouais bah très bien, on va voyager comme ça. Voilà, parfait. Ouais, comme ça. Allez, on va lancer le match. Les maillots. Oui. Bon bah c'est parti pour 1-2 Portugal. Bien joué Dani. Enroulé. Oh, ça passe tout seul l'enroulé.
Ça passe tout seul. Bravo. Bravo, Dani. Bon, enfin, on ouvre le score. On aurait dû l'ouvrir bien plus tôt que ça, mais Ronaldo, il avait tapé le poteau. Donc, cette fois, Dani l'enroulé. Vous allez voir ça. Pouf. Magnifique. Magnifique. Là, c'est plus enveloppé, je pense, parce que le ballon n'a pas fait un grand arc, un arc de cercle parfait. Donc, je pense que c'est plus une enveloppée. Ouais. Mais c'est bien joué quand même. 1-0. Allez, c'est pas fini. Il faut en mettre plus. Un zéro à la mi-temps, c'est pas beaucoup, mais bon, on essaie de s'amuser un peu, c'est... Voilà. Je suis pas là non plus pour les humilier 18-0, les pauvres. On va essayer de faire un peu mieux quand même. Arrête de me marquer comme ça, je veux te mettre un geste technique. Oh, ah tiens, c'est pas mal. C'est pas loin. Hey. Impliquez-vous dans vos... Bon, bah on s'est contenté du 1-0, mais on n'arrivait pas à marquer. Je me suis mis à jouer à fond. Dans cette deuxième période, on n'arrivait pas à marquer. Leur gardien, je sais pas... Je sais pas ce qu'il a bouffé, leur gardien à la mi dans ce match. Mais très 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 fort. On méritait de mettre au moins 5-6 buts, mais leur gardien, il était puissant. Il était très puissant, je sais pas pourquoi, c'était son jour de gloire, j'en sais rien. Je sais pas. Voilà, bon, sinon, voilà. Voilà les notes. Et voilà les notes de l'autre côté. Allez, on y va. On va avancer jusqu'au prochain match, comme ça on sera tranquille. Voilà. Allez, on va regarder un... J'ai dit, on va regarder le calendrier, s'il te plaît. Merci. Donc, Bulgarie, Barça... Oulah, putain. Oh, putain, Manchester. Bon. Eh ben, dis donc, le prochain épisode, il va être coton. Enfin, bon. Vaut mieux que ça soit maintenant, comme ça, après, on sera tranquille. Et on se mettra là pour la fois suivante. Bien. Bah, du coup, moi, je vais vous montrer quand même le rapport d'équipe. Le rappeur d'équipe avant de se quitter. Et après, on se quittera. Allez, le jeu. Allez, jeu. Eh ben, viens. Pas de nouveau. Toi non plus. Toi non plus. Toi non plus. Pareil. Toujours à plus 2. Plus 1 pour Gomez. Le plus 2 de Mena toujours. Plus 2 pour Pasta 63. Gilles qui est toujours à 68. Pareil. Pas de changement. Pas de changement. Je sais pas pour toi. 61, Kroos maintenant. Gaïa qui continue de progresser alors qu'elle était blessée, c'est pas grave. Ah, Galarreta qui a 72. D'accord. Ok. Bon, bah, pas d'énormes changements. Bien, et bah, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à un petit commentaire, un pouce bleu, Twitter, Facebook, hein. Si vous avez envie, n'hésitez pas, les liens sont dans la description pour Twitter et Facebook. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain pour la suite de FM et GTA.